Et salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Baldur's Gate. Bon, alors, on va se soigner déjà. On l'avait pas fait avant la fin de la dernière vidéo. Qu'est-ce que j'ai? Normalement, c'est bon. Ça, on peut l'envoyer à Starion. Regardez ça pour la fin. Dans ces anneaux-là, bof, quoi. Alors moi, ils m'ont pas impressionné au niveau des stats. Ouais, non, on va rester avec ce que j'ai. L'objectif. L'objectif du jour. On va aller voir ici. Et après, on ira voir là. Là, c'est quoi ça? Ça, c'est toujours le même truc. Salon de thé. Je sais toujours pas ce que c'est. Mais bon. Bref. Alors, où est-ce qu'il faut qu'on passe? Faudrait qu'on retourne par là et qu'on aille jusque là. Faudrait qu'on aille par là. We've had some rest. Maybe we can still go back to the other. Récupérer ça. Si je peux. Ça, je peux pas toucher, ça, je peux prendre. Une chose que je peux pas. Ouais. Je peux pas toucher. 150 d'XP? Pourquoi? Est-ce que j'ai trouvé une truffe? Ouf, je vais pas cracher dessus, hein, je viens. Donc il faudrait qu'on aille par là, alors. Vaincre les intrus du Hargarth. Ok. Et du coup? Cadavre, blafard. Rituel nuptiaux. Des flumps. Je sais pas comment ça se dit. Métal gelé. Doigt de géant des collines. J'espère. Ok. Lump mating rituals. An old book for a drow to carry. Cover proudly announces this book to be Flumph Mating Rituals. Parcourir le livre, investigation. Donc examiner le livre de près. Ouais, nature. Vous rappelez ce que vous savez sur ce titre? On va peut-être parcourir le livre déjà. Mad supposition, questionable diagrams, and many gleeful references to tentacles. Not an overly academic text. On va essayer nature. Quinze. Ah bah c'est bon. Avec. Underdark fauna is a topic much written on, but this title has never appeared in any collection you've seen. The scrutiny proves too much. The lurid text melts away before your eyes. An illusion. What remains are simple instructions written in a spare hand. The secret to forging adamantine. D'accord. Mais moi, j'ai trouvé le secret pour forger l'adamantium. D'accord.
D'accord, oui, bah c'est ce qu'on a combattu en fait. Ouais, bon bah ok. C'est ce qu'on a fait. On l'a fait avant de découvrir ça. Alors, on a ça. On va regarder après ce que c'est, un parchemin. Inventaire, donc qu'est-ce qu'on a ramassé? On a ramassé ça. L'ombre de Menzo Beranzan. Linceul d'ombre, alors, voyons voir. Examiner. L'invisibilité se dissipe dès que vous attaquez. Lancez un sort. Effectuez une action ou subissez des dégâts. Rend invisible. Ça pourrait être pas mal pour Astarion, ça, non? Pour un assassin. On va voir. Envoyer, envoyer, envoyer à Astarion. Trust no one. Il a quoi sur la tête, lui? Bonjour, Psionic. Quand vous réussissez un jet de sauvegarde, l'adversaire qui vous l'a fait jouer subit un 1-1. Ouais, je pense qu'on peut changer ça. Il n'y a pas de problème. Parfait. Cette armure, c'est une armure légère. Ah, tiens, oui. Discrétion plus 1. Non, je pense que je vais garder ce que j'ai. Hop. Alors, ça c'est fait. Je pense qu'on a. Il y a encore un coin là à visiter. Il y a encore un coin ici à visiter. Par là, ça a l'air d'être bon. Par là, on dirait qu'il y a quelque chose. Et par ici, peut-être un passage là. Ouais, on va aller voir. No one back home will ever believe this. On va aller voir. Can't slow down. Ça serait par là. En toute vraisemblance. Une fois descendu, il faut remonter. Ok. Ok, on continue par ici. Qu'est-ce qu'ils ont vu là? Des entailles nettes, profondes et récentes, l'œuvre d'un monstre qui voulait marquer son territoire sans doute. Tout ça. Ok. Ah, c'est des marques qu'ils ont dû trouver. Ah. Un pied détaché. Un pied tranché, pardon. Une main tranchée. Ah. Ça va nous faire à manger. Ah, non, 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 venez par là. Ah non, trop tard. Attendre que ça se dissipe. Allô? Alors ça c'est un peu embêtant par contre. Pour resélectionner un perso, je pense qu'il va dire souvent y avoir des touches en fait pour correspondre.
Ok, ça a l'air de se dissiper. On va attendre un peu. Ok, au niveau de la carte, après, on a un passage par là. Et là, on peut monter. Donc, on va aller par là. Ah, c'est bon, ça s'est dissipé. Ah, on a l'impression qu'on puisse, en fait. Ah, si. Si, si, si. Ah, ouais, d'accord. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Astarion. Allez, bon. Let's get on with it. Don't touch me. Ouais. Autant utiliser F1, F2, F3, F4, c'est plus simple que c'est de s'exciter, d'essayer de les sélectionner comme ça. Don't linger. Allez. Les autres. Bah écoutez, tant mieux. Hein. Il va juste falloir attendre un peu. Eh ben. Non mais. Imaginez si j'étais passé dans ça. On va attendre un peu. Elminster's not around, so might as well. C'est bon. Il va se calmer. Il dirait qu'il y a un cadavre là. Best be on my way. Ah, attendez. Survie ratée. J'ai l'impression qu'il y a autre chose. Et là, on a du poison. Anything of use? D'accord. Retrouver le ramasseur de champignons. Retrouver Baylen. Bah, il est là. Examiner. Bah ouais, c'est un mort, quoi. Ouais. Quelque chose là. What a day. I've got a long road ahead. D'accord. Have to keep going. Bon, je l'ai retrouvé, les gars. On va retrouver Baylen, ben, je l'ai retrouvé. Bon. Est-ce que ça dépend du personnage? Le nom de la quête, c'est quoi? Retrouver le ramasseur de champignons. Retrouver le ramasseur de champignons. Derit nous a parlé de son mari, Baylen. Il s'est perdu quelque part dans les tréfonds obscurs.
Je sais pas ce que je peux faire de plus. Lost in thought. Watch your back. No one stopped me yet. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ça veut pas me prendre la quête ou me la valider. Moving ahead. Rien d'autre, on lui dit juste de retrouver ce personnage. Est-ce que ce serait pas quelque chose que j'aurais looté sur lui? Une main tranchée. Il y avait ça. Et un couteau, je crois. Une lettre abîmée par l'eau. Ouais, je sais pas. Mystère. Mystère total. Bon bah, il est là, hein. Je l'ai looté, il y a bien son corps et tout, mais ça a pas l'air de vouloir me valider la quête. Reparler à la... À la donneuse de quête, au pire. On va aller voir, hein. Ça m'intrigue un peu, en fait. Par là. Comment qu'elle s'appelle? Dérif. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Non, si elle était pas là. Ouais. On va aller voir. Fuller, what have they done to you? Maybe the Myconids thought they were helping. Wesho, Beldron, Larida, Tula. We've had some rest. Maybe we can still go back for the others. No, Lumpbug. Our work is bigger than any one of us, even Walbrun. Non, je cherche, mais... S'ouvre un spot... Thank you.
C'était peut-être, ça c'est pas des fois un des personnages qui serait plus à la surface. Ouais, mais bon, ça me donne ça. Ça, par contre, c'est un petit peu, voilà, un peu casse-pied parce que normalement, ça devrait me retrouver Baylen. Je l'ai trouvé, donc normalement. Ouais, je comprends pas trop. On va aller voir. Ah bah c'est elle, tiens. Hop hop hop. What's up for discussion? Well? Baylen est mort au milieu d'un tas de champignons toxiques. Dead? Worthless old fool! He had one bleeding job. Qui est-il pour vous? On dirait que c'est l'amour vache. My husband. 80 soggin years together, and he leaves me in the lurch like this. I should have killed him myself. Love? Never heard of it. Baylen was a rotten old bastard. Treated me like an old shoe for 70 years before his mind started to go. Softened him up. Made him realize how much he needed me. Losing his mind was the only good he ever did by me. Collecting noble stock. Valuable mushroom. We've a shop in Boulder's Gate. The locals go mad for it. Not no more, though. Pourquoi est-ce que ce champignon a tant de valeur, druide? Utilisez les dons de la nature pour vous enrichir. I've yet met an ailment it couldn't help. Baldness, blindness, poison, piles, and best of all, it cures my dangerously underweight purse. It's a mushroom. It won't leave any starving orphans behind. No, my purse. That is starving. Needs all the fattening it can get. I'll find my way out. No point hanging around this den of misery. D'accord, bon. Ok, ça c'est fait. On va aller voir jusque là. Il faut qu'on retraverse, il faut qu'on aille ici. Oh, c'est compliqué. On ressorte là. Ah, attendez, parce que là, pour le coup... Ouais, qu'on ressorte là. On a encore des zones à explorer. Bon, on est à peu près à 50%. Ok. On aille par là. Ensuite... Comme on avait un téléporteur, bon c'est pas grave. Faudrait qu'on aille jusque là. Ensuite, est-ce qu'il y a un passage possible pour aller jusque là?
Là, apparemment, et puis après sauter. Après, on continue par là. Apparemment, on est déjà passé par ici. Hein. Oula. Eh oh, doucement. Ah. Est-ce que ça serait pas... Non, non, apparemment il y a quelque chose par là. L'impression qu'on puisse ah peut-être par là tiens hop 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 should get started. Peut-être hein. Ah si. Trop. Mince. Le problème, c'est que je vais pas avoir No time to dally. C'est qui a un sort de... Je me rappelle plus. Charmed, I'm sure. Non. Ah, je croyais qu'il y en avait qui avaient un sort pour pouvoir voler. Ah bah, non, non, c'est feuilles mortes, c'est pour des... Ah, mince. Keep a blade close. Never a dull moment. Ça m'ennuie un peu, là, par contre. Il y a quelque chose, c'est sûr. C'est pas ça qui va m'aider. Bon. Et même après, je sais même pas si je peux sauter sur les autres. Bon, on va redescendre, hein, tant pis. Peut-être un autre passage.
Another step forward. Alors. L'autre zone à explorer. Donc par là, on peut pas. Il y a cette zone-là. Donc il faut qu'on remonte. Tac. Parce que si je passe par là... Attendez. En imaginant que je retourne vers les ruines, ça doit être à peu près ici. Ouais non, il n'y a pas de passage. C'est quoi ça? Et je reviens par là. Il y a un passage par là des fois. Et là il y a quelque chose, hein. Là on le voit. Il n'y a pas de passage. Non. Non, non, il n'y a rien. Bon, on repart. On va jusque là. Non, tu sautes de trop loin. Oh, mais elle est pas possible. On continue jusque par là. Pourquoi les autres suivent pas là? Mais c'est pas vrai. Et Nounouille est... Nounouille 2, là. No time to rest. Need to find a way forward. Donc... On va jusque là, on remonte jusque là. Voilà. On va par là, on vient jusque là. Après on remonte par ici, après on va de ce côté-là. Toc, on va par là. Et après on va par là. Ok. Ah. Always room for more. Creturition. Ok. Oh, quoi ça? Ouais, pas confiance. Ouais, c'était sûr. C'est ça que j'ai sauvegardé. Ok, alors. Ah oui, j'ai pas mis le sort. Ah si, il est là. Parfait.
on est d'accord, il est invisible. En deux tours. I can't even catch my breath. Il est où? Il est là. Ça, ça traverse, je suis pas convaincu. Ça y a fait mal. Et en plus, il glisse. Raison, relève-toi. Ah, on était sûr qu'il allait faire ça. Je trouvais qu'il n'était pas nombreux. Well, so much for peace. Aucune résistance. Très bien. Ça m'arrange. What fools these mortals be. Step by step. Ouais. Can't give up. Not now. On my way. Comment ça fait? Il va sauter. Parfait ça. On the way. Bien de placer là. Blood comes easy these days. Parfait. Normalement on n'est pas sorti de l'auberge. Shall be done. Ah, je l'avais pas vu lui. Aucune résistance. Mais écoute, c'est mal barré pour toi. Oh, 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 oh. Oh, il a pris cher. Très très cher. Ah, ils ont 75 points de vie tous. Oh. Oh, 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 oh. Joli. Aïe. One can't always be a gentleman. Peut-être une petite attaque simple comme ça. Ok. Oh. Aïe, 23. Ça fait mal à 23. Hein. Allez, on devrait bien l'affaiblir encore. Oh oui. Toi tu y vas à la dague. Parfait, là t'avances par là. Ah non, il avait pas fini, mince.
Est-ce qu'on relance la même attaque? Pourquoi pas? Un point de vie, est-ce que ça, ça pourrait le faire? Parfait. Ah. Bon, il nous l'a massacré, hein. Ah, notre gribouillet qui est... C'est notre éparse semble avoir été griffonné par quelqu'un de très troublé, protecteur, gardien de la forge d'adamantium, issu du magma, qui seul pourra le détruire, brûlant, marteau, ouf. Une petite carte est dessinée en dessous et herborant, de multiples croix. Les mots suivants sont griffonnés en dessous. Ça ressemble au combat qu'on doit faire contre le gardien d'adamantium. Guardian. Mention of a hot hammer. Whole adventure in a nutshell. C'est ça. On a des plumes là, qui virevoltent. Ah, on peut aller par là. Ah, on va découvrir un portail. Parfait. Apparemment, on est quand même dans une bonne zone. Hein. On va tourner par là. What's inside? Comment ça, impossible d'atteindre? Ok. Le coin a l'air d'être exploré là. Ah oui, il reste quand même un petit coin à faire. Par là, par contre. Ça remonte par ici. Après, on a le chemin là à aller voir. Ah, attendez, on a une liane qui permet de monter là. Ah, attendez, on va d'abord aller par là. Qu'est-ce qu'on a ici? D'accord. Place-toi là, toi. Oh.
Je risque de toucher Astarion. Là, non. Swift as my feet can carry me. Ouais, c'est parti. Oh oui, 29, bien. À ton tour. Allez, tiens. Pas beau ça. Alors cette plante là, ouais, mais alors cette plante là, le problème c'est que, écoutez ça. On a quelque chose là. Un passage. Ça me parle pas du tout par là. Bon, on va tester. On avait aussi. Ok, bon, on est revenu là. Bon, on va redescendre. Il y avait un passage. On pouvait grimper à des lianes. Juste là, ici. Ah, d'accord. Escalader comme ça. Et on peut aller par là. Bah tiens, c'est bien ça. Ah, on a un cadavre ici. Un parchemin en triste état. Je prends, c'est de la nourriture. No traps, please. Poisson. Ouais, on a fait le tour. On a fait le tour, ok. Parchemin de conjuration inachevé, orné de marques de dents et de traces de salive séchée. Seuls quelques mots sont encore lisibles. Skyren, magma. Ok, d'accord. On pouvait pas aller par là. Non, apparemment on peut pas aller plus loin. Donc ça donne nulle part. Ok, bon, on redescend. Même pas. On va même pas redescendre.
on va reprendre le téléporteur pour redescendre et aller au passage qu'on n'a pas exploré, qui se trouve par là. Ah. Faut qu'on descende, donc faut qu'on aille vers le sud. Faut qu'on aille par là, quoi. Ah, même par là, il y a un passage, il y a quelque chose. Ça serait pas là des fois. Il faut venir. Si, mais attendez, stop, on va par là. On va par là. Ça, je suis surchargé. Ça pèse si lourd que ça, tout ça. En somme, j'ai pas grand chose, quoi. Ok, D'accord. Ah, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qui rigole là? Y'a pas quelque chose par là? Non, c'est pas par là. Ça a l'air d'être par là. Ah, mais c'est peut-être par là, en fait. Oula. Oula, 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 oula. À mon avis, on va... avant de s'aventurer par ici... aller se reposer. On everything. Allez, Doudou. Comme ça, ça va sauvegarder en même temps. Et je pense même qu'on va s'arrêter ici. On verra ça dans le prochain épisode. Parce que là, la vidéo dure depuis un petit moment. Et j'ai peur que... j'ai peur qu'on aille... ça dure trop longtemps, en fait. Donc, on va s'arrêter ici. Et on verra ça dans le prochain épisode. Bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. On a encore progressé, on a encore avancé. On a fait des missions. On avance doucement. On continue à explorer les tréfonds. On peut déjà se préparer et puis quitter le camp. Voilà, on peut re-sauvegarder pour pas redémarrer au camp. Voilà, donc on continue à avancer doucement.
mais sûrement. La zone est quand même assez grande ici à visiter. Alors après, quand on aura fini cette zone, je sais pas du tout ce qu'on va faire. C'est vrai que c'est encore un peu mystérieux. Mais là, c'est vrai que on a potentiellement un danger devant nous. Il est où ? Il est par là. Ouais. 84 points de vie, 84 points de vie. C'est peut-être un peu chaud. Hein. Il y a encore toute une zone, apparemment. Ok, ouais. On verra ça dans le prochain épisode. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Portez-vous bien. Bye bye.